plateau de Science Quiz, une édition spéciale Planète Nature pour la fête de la science. Tout au long de cette manifestation qui est placée sous le signe du numérique, quatre équipes vont s'affronter autour de quatre thèmes: l'air, le feu, la terre et l'eau. Les deux équipes ayant marqué le plus de points s'affronteront lors du final autour de la roue de la fortune. Aujourd'hui, nous accueillons deux nouvelles équipes, l'équipe des lions composée de Maël et l'équipe des chameaux composée de Johan. Bonsoir les lions, bonsoir les chameaux. Alors, vous êtes en quelle classe? CM1. CM1? Toi aussi? Est-ce que vous aimez les sciences? Oui. Vous en faites à l'école? Un petit peu. Oui. Un petit peu? Alors, ce soir, on fait une émission sur les sciences avec des questions qui seront, ça va, faciles. Mais attention, il y aura quelques pièges. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, ce soir, nos deux équipes vont s'affronter sur le thème de l'air. Vous aurez trois manches de trois questions à chaque fois. Aurélie va vous expliquer les règles. Pour chaque question, vous pouvez marquer un point. Pour cela, il va falloir buzzer. Donc la personne qui buzz va du coup donner sa réponse. Si c'est une bonne réponse, le point est pour son équipe. Si c'est une mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. Attention, avant de buzzer, il faudra attendre que toutes les propositions sont bien énoncées. Sinon, le point partira pour l'équipe adverse. Vous avez compris? Oui. C'est bon? Alors, on va commencer tout de suite avec cette première manche, avec notre première question. Prêt? Concentré? Très bien. Première question. Il y a 21% d'oxygène dans l'air. A, vrai, B, faux. Je répète. Il y a 21% d'oxygène dans l'air. A, vrai, B, faux. Ah, vous réfléchissez. C'est bien. Vous réfléchir, ensuite vous buzzer pour avoir... Dès que vous êtes prêt, vous buzzer. Alors, vous avez le droit de buzzer, j'ai fini toutes les propositions. Hein. Oui. Là, il faut soit dire la bonne réponse, soit... C'est soit vrai, soit faux. Il n'y a que deux choix. Alors? Ah. Vrai? D'accord, on va vérifier si tu as bon. Alors c'est 21% de dioxygène dans l'air, avec 78% de diazote et 1% d'autres gaz. La réponse était donc vrai. Tu marques le premier point, Maëlle. Donc un point pour l'équipe des Lions. Ah, vous êtes malin, vous réfléchissez, vous. Il y en a qui jouent sur la rapidité. D'accord. Question numéro 2, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Faut pas hésiter à buzzer. Hein. Alors, avant de poser cette question, on va regarder une petite vidéo. C'est notre partenaire Fabien Georgel de ACMO Réunion, donc c'est le spécialiste de l'air et de la pollution de l'air à La Réunion. Donc on va regarder ce qu'il va nous dire, et ensuite je vous pose la question. Donc, je vais vous donner la définition de la loi sur l'air de 1996. C'est l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives excessives. Alors, question numéro 2. Il existe plusieurs pollutions de l'air, types de pollution de l'air. A, vrai, B, faux. Vous voulez que je répète? Oui. Alors, il existe plusieurs types de pollution de l'air. A, vrai, B, faux. Lancez-vous. Alors, en effet, la bonne réponse, c'est vrai. Il y a plusieurs types de pollution dans l'air. Les principales, en fait, c'est les pollutions agricoles, donc à cause de l'épandage des champs ou des excréments des animaux. Ensuite, on a les pollutions industrielles, donc causées par les usines, et les pollutions domestiques, donc là, c'est à la maison, les moisissures, le tabac, les produits chimiques. Donc, un point pour l'équipe des chameaux avec Johan. Donc là, on est à égalité, les garçons. On passe à question numéro 3 ? Oui. Question numéro 3, on va regarder encore une fois une petite vidéo et ensuite je pose la question. Alors, les conséquences du réchauffement climatique, c'est deux choses principalement. C'est l'augmentation de la température globale sur Terre et l'augmentation du niveau des mers. Par contre, augmentation de la température globale sur Terre ne veut pas dire qu'on va prendre plus 3 degrés à Saint-Denis et qu'il y aura en même temps plus 3 degrés à Paris et qu'il y aura en même temps plus 3 degrés à New York. Il y aura des différences régionales partout et peut-être plus de phénomènes extrêmes.
la montée des océans sera due à la fonte des glaces et l'augmentation des températures peut causer plus de précipitations à des endroits, plus de sécheresse à d'autres endroits, des modifications de l'agriculture. Enfin, les dangers sont nombreux et donc on a tout intérêt à essayer de se prémunir de ça avec les accords de Paris en essayant de limiter au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique ? Oui. D'accord. Ah bah, la question, elle va être là-dessus. Alors, on va voir c'est quoi votre stratégie, là. Est-ce que vous attendez bien ? Est-ce que je répète une deuxième fois ? Ou est-ce que vous êtes des grands rapides et que vous allez buzzer ? Alors, la question. Le réchauffement climatique est dû au rapprochement de la Terre et du Soleil. A. Vrai. B. Faux. Faux. Alors, en effet, c'est faux, c'est pas parce que le soleil se rapproche, c'est pas du tout ça, c'est plutôt les gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique, il est dû à l'émission de gaz à effet de serre, et c'est dû aux activités humaines, donc ça peut être les transports, les usines, etc. Donc un point pour l'équipe des chameaux. Alors c'est l'équipe des chameaux qui remporte cette première manche avec 2 points. Mais pas de souci, l'équipe des lions, il nous reste encore 2 manches de 3 questions. On va passer désormais à la deuxième manche. Cette fois-ci, pour cette deuxième manche, vous aurez 1 question et 3 propositions de réponse. A, B ou C. Les règles restent pareilles. N'oubliez pas, si vous buzzez avant, le point ira à l'adversaire. La bonne réponse, le point pour vous. La mauvaise réponse, le point à l'adversaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, pour cette première question, attention, ce sera une devinette. Alors, il faut bien écouter. Vous êtes prêts ? Je suis partout autour de toi. Et pourtant, tu ne peux ni me voir, ni me toucher. Qui suis-je ? Est-ce que vous voulez que je répète ? Allez, on écoute bien. Je suis partout autour de toi, et pourtant, tu ne peux ni me voir, ni me toucher. Qui suis-je ? Est-ce que vous voulez un petit indice ? Oui. Ça fait partie des thèmes qu'on va aborder pour que vous allez en finale. On a 4 thèmes. On a 4 thèmes que j'ai cités au début. Est-ce que vous vous rappelez de ces 4 thèmes ? Le vent. Le vent. Pas loin. L'air. Alors, c'est bien l'air. Bonne réponse. Pas loin, pas loin. Alors, l'air, comme tous les gaz, constitué de molécules. Il est constitué de molécules. Elles sont si petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. C'est pour ça qu'on dit que l'air, il est invisible. Donc, 1 point pour l'équipe des lions. Allez, on passe à la deuxième question. Alors, on va regarder une image qui est projetée. Alors là, la question, il va falloir que vous me dites, qu'est-ce que c'est comme appareil ? Quel est cet appareil ? La question finie ? Oui. L'éolienne. L'éolienne. Alors, moi, je te propose qu'on vérifie ta réponse avec une petite vidéo. Nous sommes à Sainte-Suzanne, à la ferme de la Perrière, où nous avons pu filmer des éoliennes de plus près. Une éolienne transforme l'énergie du vent en énergie électrique, c'est donc une énergie renouvelable. Ce qui se passe, c'est que le vent va faire tourner les pales de l'éolienne et entraîner une turbine. L'énergie cinétique du vent sera donc transformée en énergie mécanique. L'électricité produite sera ensuite envoyée sur le réseau grâce à un transformateur. Très bonne réponse, c'était bien l'éolienne. 1 point pour l'équipe des chameaux. Allez, dernière question pour cette manche. Vous êtes prêts ? Oui. Parmi ces 3 termes, lequel est utilisé à La Réunion et dans l'océan Indien ? Est-ce que c'est A, le cyclone ? B, l'ouragan ? C, le typhon ? Qu'est-ce qu'on dit à La Réunion ? Qu'est-ce qu'on dit à La Réunion quand il y a les grands vents qui arrivent, quand on a en alerte rouge, qu'on ne doit plus sortir ? Ça s'appelle comment ? L'ouragan. Très bien, on va vérifier la réponse en vidéo. C'est bien le A. Les termes cyclone, ouragan et tempête désignent finalement le même phénomène météorologique. Il s'agit de phénomènes dépressionnaires tropicaux qui génèrent des vents moyens de plus de 120 km/h sur mer. La différence entre les 3 termes, c'est qu'ils sont utilisés en fonction de la région du globe. Cyclone, qui vient du grec kouklos, est utilisé principalement sur le bassin océan Indien, donc la zone sud-océan Indien qui nous concerne, et la zone nord. Et ensuite, sur tout le sud du Pacifique. Donc, 3 bassins pour le terme cyclone.
Ensuite, nous avons le terme typhon, qui vient du chinois taifun, qui veut dire grand vent, qui est utilisé lui principalement sur le Pacifique Nord-Ouest. Enfin, il y a le terme ouragan, qui vient du nom de la déesse Maya des tempêtes, Unraken, qui est utilisé dans l'hémisphère nord, dans le bassin atlantique et dans le bassin pacifique nord-est. Alors, ce n'était pas une question facile. Alors, comme il a dit notre partenaire Alexandre, bijoux de météoroïdes. Alors, les trois termes, ils veulent dire la même chose, mais à La Réunion, on va parler de cyclone. Et d'ailleurs, c'est bientôt la saison cyclonique. Alors, un point pour l'équipe des Chameaux. Alors, c'est encore une très belle manche et c'est serré, les garçons. Hein. Donc, deux points pour l'équipe des Chameaux avec Johan et un point pour l'équipe des Lions avec Maël. Alors, bougez pas, on va passer à la troisième manche. Donc, encore l'opportunité de gagner trois points. Alors, je sais, vous voulez pas prendre de risque. Vous réfléchissez, on dit deux fois la question. Alors, est-ce qu'on part sur une petite prise de risque sur la dernière manche? Ouais. On essaye? Oui. Très bien. Passons donc à la manche numéro 3. Alors, avant de répondre à la question, on va voir une petite vidéo de Fabien Georget, le spécialiste de la pollution de l'air. Alors, l'air est le plus pollué là où on est le plus proche des sources de pollution. Par exemple, dans un embouteillage, dans sa voiture, on est entouré par les pots d'échappement de toutes les voitures qui nous entourent. Donc là, l'air va être plus pollué. Alors, normalement, cette vidéo va vous aider à répondre à la question. Vous êtes prêts? Oui. Où l'air est-il le plus pollué? Est-ce que c'est A, dans les villes, B, à la campagne, ou C, dans les bourgs? En ville. En ville. Alors, en effet, comme il l'a dit dans la vidéo, notre partenaire... Pas grave. C'est pour l'équipe des Chameaux, du coup. Notre partenaire, il a bien dit que quand on est en ville, dans les embouteillages, avec les usines à côté, bah, c'est souvent le plus pollué. Donc, c'est une bonne réponse. Un point, donc, pour l'équipe des Chameaux. On désespère pas. Prise de risque. Il reste deux questions. Deux questions. Alors, on va parler de climat. Et de microclimat. Tout petit climat. Alors, d'après vous, à La Réunion, il y a combien de microclimats? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a cinq? Ou est-ce qu'il y a plusieurs dizaines? Donc, A, un seul, B, cinq, ou C, plusieurs dizaines? B. B, tu dis cinq? Alors, on va regarder si tu as bon avec Alexandre Dijoux de Météoroï, donc il s'y connaît un petit peu en climat. Lorsqu'on va faire une analyse pragmatique et scientifique, notamment sur la classification de Köppen, qui est une classification qui permet d'élaborer, de définir des climats à petite échelle en se basant sur la pluviométrie et les températures, la classification de Köppen permet d'avoir trois zones distinctes de petits climats sur l'île. Une zone plutôt pour la partie littorale, allant de Saint-Pierre à Saint-Benoît, une partie pour les cirques et les plaines, et une partie pour les zones de mi-pente, telles que le tampon. Donc, lorsqu'on va aller de manière scientifique, on pourra dire qu'il y a trois petits climats à La Réunion. S'agissant des nanoclimats, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments tangibles et scientifiques qui permettent de les quantifier. Maintenant, en partant des éléments donnés par la classification de Köppen, on peut s'imaginer sans problème qu'on a au moins plusieurs dizaines de microclimats à La Réunion. C'était une question un peu difficile. Donc la réponse était plusieurs dizaines. Donc le point va donc à l'adversaire, donc à l'équipe des Chameaux avec Joël. Dernière question pour un point. Prêt? Alors, quel gaz présent dans l'atmosphère est nécessaire à notre respiration? Est-ce que c'est A, l'oxygène, B, le xénon, ou C, l'argon? Oxygène. Oxygène, réponse A. Alors, en effet, c'est bien l'oxygène qui est nécessaire à notre respiration. Alors, le xénon et l'argon, ce sont des gaz qui sont rares et qui sont aussi présents dans l'atmosphère. Mais en soi, on a besoin d'oxygène. Alors, ce qui fait donc pour cette manche 3, 3 points pour l'équipe des Chameaux avec Johan. Nous arrivons déjà à la fin de notre première émission. L'équipe des Chameaux compte déjà 7 points contre l'équipe des Lions qui ont 2 points. Mais ce n'est que le début, ne vous inquiétez pas. Alors, nous, on se retrouve demain sur YouTube à 6h30. Au revoir.